là, je suis dans le Palais des Festivals pour cette nouvelle émission, dans la salle Bunuel, parce qu'aujourd'hui, c'est la diffusion, la projection des courts-métrages dans lesquels jouent les jeunes talents Adami. Alors, les jeunes talents Adami, c'est quoi? C'est un concours qui a lieu tous les ans et qui sélectionne sur 152 candidats les 15 meilleurs comédiens, c'est ça, Julie? Non. Les 17 hein. En fait, là, cette année, chaque année, ça change. Cette année, il y avait 652 ou 600. Ouais, 700 quoi. Ouais, 700, ouais, 700 dossiers. D'accord. Et il y a eu 22 comédiens qui ont été choisis suite à la candidature qui a été envoyée. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Julie Musard a été sélectionnée donc parmi plus de 650 comédiens. Donc, voilà, on est 22 en tout. 22 en tout. Et Julie fait partie de la communauté Acting City. Donc, c'est très important pour nous qu'une comédienne de notre communauté ait été sélectionnée. De plus, Julie, donc tu as joué dans quel film? Je crois dans pas mal de choses maintenant. Julie Lescaut, Enquête réservée, un long métrage. D'accord. Puis, tu as été une des héroïnes de Julie Lescaut, je crois. Hein. Tu avais un rôle très important. Oui, normalement, je ne dis rien. D'accord, ok, très bien. Très bien. Ok, on te souhaite beaucoup de choses sur cette série. Voilà. Apparemment, il y a des choses qui sont en train de se passer. Voilà, il y a Parole d'acteur aussi qui arrive avec Marcel Diponzovo. Ok. Donc voilà, avec qui je vais travailler cet automne. Et... Bah, écoute, merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. On a su tout ce qu'on voulait savoir. Et puis, bonne chance pour ta carrière. Bah, merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça suffit. Bon. Et je voudrais, et les talents Cannes, dont en effet j'avais eu l'occasion de dire que j'étais assez fanatique de tous les petits clips qui étaient faits chaque année, tous les petits films qui étaient faits chaque année. Salut, c'est Clémentine Emmanuel.
je suis avec Nicolas et Quentin de Secret Story numéro 2. Alors Nicolas, on s'est déjà vu l'année dernière, tu te souviens? Tout à fait. Kim Sissi t'avait interviewé. Donc tu es de nouveau là au Nicky Beach. Pour moi c'est un endroit un peu spécial quand même. En fait moi j'adore Nicky Beach parce que voilà c'est le monde festif. Tu rencontres des gens, ils sont magnifiques, extraordinaires, tu peux du rosé. Donc il n'y a que du positif. Donc voilà c'est la fête. Je suis là toutes les années, présent. Et je serai. Et il y a quand même des très belles filles. Toutes les années. Ah, très belles filles. Alors Quentin, viens voir Quentin. Toi, tu es également avec Nicolas, en face de là, de Secret Story numéro 2. Exactement. Voilà, et tu n'étais pas là l'année dernière par contre. J'étais là l'année dernière, c'est juste une journée, donc j'ai un coup de vent. Okay. Là j'habite à Nice, donc il y a Nico, on est ensemble. C'est un endroit incontournable. Voilà, donc je termine cette belle journée par une soirée sur le yacht de Arte. C'est une soirée qui a lieu d'ailleurs chaque jour, tous les soirs, où Arte reçoit les réalisateurs, les producteurs et les acteurs qui tournent dans les films qui sont diffusés sur la chaîne tous les ans. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ce yacht magnifique qui est amarré juste devant le Palais des Festivals. Merci.